Bonjour à tous, bienvenue. Nous voici dans une émission un peu spéciale consacrée à la caserne militaire de Bière. Alors on est en pleine école de recrue, les soldats s'installent pour l'appel, c'est pas encore 7h du matin. Aujourd'hui, première partie de cette émission, on va rester dans la caserne, on va s'intéresser spécifiquement à la place d'armes. Qu'est-ce qui se passe exactement ici? Réponse dans Libre Accès. Les premiers tirs de la place d'armes de Bière, propriété de la Confédération, ont retenti ici en 1822. Et c'est en 1835 que sa toute première caserne fut construite. Aujourd'hui, elle est la dernière en Suisse à proposer encore une formation d'artillerie et d'infanterie sur sa surface de 870 hectares, dont 260 sont de forêt. Dans ses 152 bâtiments, elle accueille toute l'année des écoles de recrues, des instructions en formation et des cours de répétition. Actuellement, 400 recrues sont en plein service, encadrées d'une centaine de professionnels. La place d'armes est une véritable petite ville militaire où travaillent 150 personnes à l'année et qui possède même sa police interne pouvant vous arrêter à tout moment. Émile, effectif 64, 2 KA, 3 gardes drapeaux, 14 détachés, préparation à l'incendie. Chef de détachement, chef de section, vous disposez de vos sections. Chaque matin, pendant que les recrues s'entraînent, deux responsables profitent de leur absence pour s'infiltrer dans les chambres et procéder au contrôle. Lieutenant, bonjour. Vous faites bonjour. Le contrôle des chambres, c'est oui, ça? Exactement. Alors, vous en contrôlez combien et en combien de temps? Alors, on en a au maximum 27 à contrôler sur une plage de temps de 15-20 minutes le matin. Donc là, il y a déjà le sergent-major qui est en train de travailler pour vous. Lui qui fait le contrôle. C'est lui qui fait le contrôle. Expliquez-moi en quelques mots comment ça se passe, qu'est-ce que vous devez inspecter? Alors, ce qu'on inspecte, c'est en premier lieu la propreté de la chambre. Vu qu'ils dorment, là, c'est encore une chambre relativement petite, mais il y a des plus grandes chambres. Et on contrôle qu'ils aient passé le balai, comme on fait à la maison, okay. Qu'ils prennent soin de leur matériel. C'est pas comme on fait à la maison. Justement. Où on est censé faire à la maison. on contrôle s'ils ont nettoyé tout leur matériel hygiénique, donc les gourdes, les gobelets, les gamelles, qui sont de plus en plus utilisées par rapport au début de l'école de recrue. Plus on va vers la fin, plus on mange dans le terrain, on commence à avoir le matériel qui est sale, donc c'est important pour nous de contrôler qu'ils le nettoyent, parce que pour nous, à partir de la semaine 3-4 des écoles de recrue, la troupe est vraiment indépendante et le matériel personnel de chacun, c'est eux qui doivent le nettoyer. Donc on arrête ces fameux
nettoyage avec toute la section, c'est vraiment eux qui prennent soin de leur matériel. Okay. Donc propre, rangé et qu'il ne manque rien aussi ? Qu'il manque rien. L'ordre en chambre, il est aussi là pour qu'on puisse contrôler facilement la même chose chez tout le monde, parce que si on doit chercher chacun où a mis sa gourde, etc., ça prend du temps. Et comme on n'en a pas forcément le matin, nous, on leur fait tout ranger. On contrôle rapidement, est-ce que tout le monde a son casque, sa cuillère, sa gamelle. Est-ce que vous regardez s'ils cachent des choses, des bouteilles d'alcool ou des alors, choses on un peu... on ne le regarde pas sans... si on n'a pas de doute, on ne va pas le contrôler. Ça m'a l'air bien rangé, là. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Bon, on va les rejoindre sur le terrain. Merci. Ça marche. Adjudant, bonjour. Bonjour. Alors, je suis une jeune recrue innocente et vous allez m'instruire au tir, c'est ça ? Exactement. Instruction qui sera pas mal condensée aujourd'hui. Normalement, on fait 13 heures d'instruction sur la sécurité, connaissance de l'arme et manipulation avant de passer au tir. Aujourd'hui, on va voir ensemble juste les fondamentaux, ce qu'il vous faudra pour au moins réussir ici le tir aujourd'hui, en toute sécurité, avec moi. Parfait. Alors, ça, c'est le fusil d'assaut, le fameux fusil d'assaut. Exactement, le fusil d'assaut 90 de l'armée suisse qui équipe chaque soldat de l'armée suisse. Mm-hmm. Donc, comme tireur droitier, voilà, comme ceci. Attendez. Je vais ouvrir ma poche à munitions. Je vais me saisir d'un magasin. Jusque là, vous pouvez faire. En donnant un certain angle comme ceci, je vais venir l'insérer dans l'arme. Et je contrôle qu'il tienne avec un mouvement contraire, en poussant en avant. Ça, je fais aussi ? Ouais. Voilà, et je contrôle qu'il tienne. Maintenant, pour charger l'arme, ce qui est important pour éviter un défaut d'alimentation, c'est de faire ça de manière... comment dire ça, dynamique et fluide. Donc, depuis la poignée de charge, je vais venir tirer avec force en direction de mon épaule, comme ceci. Et voilà. La position assurée là, avec l'index, c'est laquelle c'est... Alors, en fait, c'est le même levier, vous voyez. C'est juste qu'on arrive à travailler comme ceci. Avec le pouce, je descends, et avec l'index, je remonte. Et c'est-à-dire que si je veux désassurer mon arme, je prends une position de tir, donc je viens épauler fermement. Voilà. Maintenant, je peux viser et désassurer. Viser, désassurer. Avec l'index ? Non, c'est... désassurer avec le pouce. Voilà. Okay. L'index reste hors de la détente tant que le dispositif de visée n'est pas sur le but. Mm-hmm. Au niveau de cercle ici, mm-hmm. vous devriez pouvoir passer cet anneau ici, bien centré. Et là, on a la corne, donc le guidon, corne c'est en allemand, le guidon, qui lui doit être orienté sur le but, mm-hmm. là où vous voulez vous viser. L'idée, ce serait que ça soit contrôlé. Pas trop dessous, je contrôle, je me permets. On n'arrive pas à épauler un peu plus haut, c'est pas possible. Puis maintenant, attention, l'arme est chargée des assurés, il ne reste plus qu'à appuyer et ça part. Puis j'appuie lentement. Ok. Bien parti ? Ouais. Ok, bon, on peut en refaire un autre. Ligne libre, aux cibles. Pardon ? J'ai dit ligne libre, aux cibles. Ligne libre, aux cibles. C'est l'ordre qu'on donne aux recrues. D'accord. Et il y a... Ah, mais pas mal. C'est bien, non ? C'est bien. Je vous avais promis qu'on arriverait à avoir tout sur le but, peut-être un peu dispersé, mais on a tout sur le but. Ok. Donc, c'est bien. Mission réussie. Mission réussie, je vous tire la main. Hop, merci. Pour moi, c'est bon. Juste un peu de crème. Et puis, ça sera nickel. Chef, bonjour. Bonjour. On est dans la cantine militaire. Oui. Alors, une cantine militaire n'a pas forcément une image de la haute gastronomie. Hein. Mais il faut composer avec plusieurs choses. C'est-à-dire que vous êtes une vingtaine en cuisine et 900 personnes à nourrir avec un petit budget de... 8,75 par jour. Pour les trois repas. Pour les trois repas, plus deux collations intermédiaires, une le matin, puis une l'après-midi. Alors, comment vous en sortez ?
Alors, on peut gérer nos commandes de manière assez conséquente. Hein. On a des grossistes et puis on commande en gros, ce qui nous permet d'avoir des prix très intéressants par rapport au marché. Mais alors, vous n'êtes pas habillé en cuisine, vous n'avez pas la toque, vous n'avez pas l'habit. Non, ça, c'est le rôle des chefs de cuisine qui payent leur galon actuellement. Moi, je suis là pour les encadrer et les coacher. Alors, comment est-ce que ça a évolué? Est-ce que les recrues sont de plus en plus exigeantes? Il y a des intolérances, il y a aussi différentes religions, il faut faire face à des nouveaux problèmes? Oui, et en même temps, non. Oui, il y a de plus en plus d'intolérances qu'on doit gérer dans la mesure du possible. Et puis, il y a un petit peu de nourriture actuelle qui est arrivée dans le plan de menu, c'est clair. Hein. Les jeunes, ils aiment bien manger aussi des pizzas, des burgers. Donc ça c'est rentré un petit peu dans la composition du plan de menu. Alors ça commence quand dans la cuisine? C'est à quelle heure que les différentes recrues viennent et les différents chefs? Alors ça commence tôt pour le petit déjeuner. Les cuisiniers de troupe se lèvent en moyenne vers 4h30 du matin pour être à peu près vers 5h à la cuisine pour préparer le déjeuner qui est servi aux alentours des 6h selon l'engagement de la troupe. Et puis ça se termine vers 20h30, 21h selon l'avancement des nettoyages. Donc c'est une très longue journée pour eux. Mais ils ont une petite pause quand même l'après-midi en principe. Est-ce qu'on a essayé d'équilibrer quand même les repas, de mettre chaque fois légumes, protéines? Oui, alors les repas doivent être équilibrés et variés. Ils ont des repas principaux qu'on appelle principaux. On aura normalement les trois composants dans l'assiette, la viande, le féculent, le légume. À côté de ça, encore un petit buffet de salade qui est à disposition et puis des desserts qui sont planifiés dans la semaine. Et puis le soir, c'est des repas en principe un petit peu plus légers ou selon l'engagement de la troupe, s'il y a besoin d'une subsistance un peu plus riche. On préparera une subsistance un peu plus riche. Le menu du jour, c'est quoi? Émincé de poulet aux champignons avec du riz et des poivrons grillés. Bon, on va goûter ça. Et un buffet de salade. Ça va être très bon. Alors, et vous avez des spatules de... C'est des pagaies, c'est pas des spatules? Oui, c'est du gros matériel. Pour ramer. Merci. Mais je vous en prie. Pour entraîner les soldats à tirer depuis un obusier blindé avant d'aller sur le terrain, la caserne possède un simulateur. Alors attention, c'est un des plus modernes au monde. Venez voir. C3, tu fais le travail du C4, je sais, je comprends. Alors, tu es sinon, je t'ai dit, au tir! 0-1. Sexy bereit. Alors bonjour, c'est vous le chef du SAF? Bonjour. C'est le simulateur qui a été inauguré en 2004. Expliquez-nous comment il fonctionne. Alors bonjour, vous voyez derrière vous les six tourelles. Il y a les canonniers qui viennent quand la phase d'apprentissage est terminée. Ils vont rentrer dans le char pour améliorer la perfection au niveau artillerie. Chaque canonnier est instruit ici dedans. Ensuite, il y a son chef de pièce qui arrive. Le groupe se forme et puis entraîne le tir d'artillerie qu'on voit aussi dehors dans la plaine. Donc c'est des simulations hyper réalistes, ça bouge. Alors oui, exactement. On peut tout simuler sauf
la pluie et puis le vent. On peut tirer des obus qu'on ne peut pas tirer à l'extérieur. On peut simuler vraiment tout l'exercice qui a besoin d'un canonnier et puis jusqu'au niveau de batterie. Alors ça, l'intérêt, c'est qu'on peut le faire n'importe quand. On ne dérange personne. On respecte un peu l'environnement aussi. Exactement. On pourrait même travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On ne dérange personne. On n'utilise pas du diesel pour la pièce. On ne doit pas commander une zone de but 6 mois à l'avant. On peut vraiment venir chaque jour. Si le chef section remarque qu'à 6 heures, sa section ne fonctionne pas, il va manger, il revient et après il continue à travailler sur sa pièce jusqu'à ce que les gens puissent être aptes à faire l'instruction. Et en général, ça prend combien de temps jusqu'à ce qu'ils soient aptes à aller sur le terrain ? Alors, ils viennent chez nous, en fait, chez moi ici, pendant bien 3 semaines. Ça dépend toujours un peu aussi au niveau combien de personnes. Et c'est vous qui décidez, voilà, maintenant il est prêt, je t'envoie sur le terrain. Exactement. C'est impérativement qu'ils doivent passer ici pour faire un test final, si on veut dire, pour après les tirer aussi réel dehors. Calco ! Sexy, Übung beginnt. An, sexy, Feuerstellung 1. Schluss. Schluss. C'était un effort très intense ou... Oui, je courais. Et puis j'ai eu des douleurs d'un coup. Est-ce que vous avez ressenti des nausées aussi ? Non, juste une grosse douleur. Juste là, la douleur localisée. Oui. Vous pouvez me montrer où c'était ? Exactement. Parfait. Alors, docteur Saxer, là on entre dans une pièce médicale, on est dans l'infirmerie. Oui. Mmh. Et en fait, c'est un peu comme un hôpital, ça a l'air très grand. Vous avez la possibilité d'accueillir combien de blessés ? On peut accueillir jusqu'à 60 blessés en stationnaire, au premier étage, on a plein de chambres. Et puis, en fait, on fonctionne comme une polyclinique. On a 2 cabinets médicaux qui fonctionnent comme chez votre médecin traitant. Vous avez un médecin qui vous accueille, on a des examens complémentaires qu'on peut faire. On peut faire des gestes chirurgicaux, des petites blessures, soigner des sutures. On peut faire des électrocardiogrammes, des diagnostics divers comme des prises de sang pour prendre en charge en fait tout ce qu'on a au quotidien, en urgence et au quotidien au besoin pour les consultations de médecine de premier recours. Il y a 2 médecins qui sont... Il y a actuellement 2 médecins. Parfois, il y a aussi plus de médecins, dépendant du nombre d'effectifs qu'on a et du nombre de patients qu'on doit prendre en charge. C'est que ça. Je crois qu'on a un petit comité d'accueil. Bonjour, voilà. Bonjour. C'est la police militaire. Oui. Vous pouvez couper le moteur, s'il vous plaît. Vous pouvez me présenter, permis de conduire ainsi que la carte grise du véhicule. Permis de conduire. Merci. Carte grise. Parfait. Okay, alors c'est tout bon. Merci. Vous avez votre chef qui est là? Oui. Ah, oui, bon. c'est là, voilà. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va. Donc, police militaire, c'est pas la police civile qui, non. qui agit ici ? Non. Sur la place d'Armes de Bière, sur les terrains de la Confédération, c'est la police militaire. Ouais. Sur le site de Bière, on a un poste de police militaire. Il fait partie des 16 postes de police militaire qui sont répartis sur tout le territoire de la Confédération. Ok. Ouais. Et qu'est-ce que vous vérifiez ? Donc, on est l'équivalent d'une police cantonale. Ouais. On fait autant des tâches de police de proximité, des tâches de police de circulation, des tâches de police judiciaire. À la seule différence qu'on travaille sur un public qui est soumis au code pénal militaire. Okay. C'est la seule différence avec une police cantonale. C'est combien la limite de vitesse ici ? Actuellement sur ce tronçon-là, c'est 80 km/h et au sein de la place d'armes, c'est 40 km/h. Bon, moi je peux y aller alors. Parfait.
Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi. Merci. Au revoir. 80. Oh, on va mettre les gaz là. Je vous laisse descendre. Oui, volontiers. Dites-moi, oh. il est particulier ce véhicule. Expliquez-moi un peu ce que c'est. Tout à fait. Alors, c'est un véhicule unique en Suisse. C'est le char du service du feu de la place d'armes. C'est-à-dire que c'est lui qui part sur le terrain en cas d'incendie. Tout à fait. En cas d'incendie sur le terrain, c'est le moyen utilisé sur la place. Mais vous en êtes son pilote? Moi, pas. Qu'est-ce que vous, je suis pilote, mais moi, je suis responsable du magasin extérieur de bière. Côté ravitaillement. Et donc, ravitaillement, ici, les véhicules viennent, parce que c'est une station essence, la moins chère de tout le pays, j'imagine. Et ils viennent tous les jours prendre l'essence. Alors, et il y a toutes sortes de véhicules. Uniquement les véhicules militaires qui viennent s'approvisionner ici, en diesel ou en essence. Et une particularité, nous avons des hélicoptères qui peuvent venir se poser ici pour faire le plein lorsqu'ils sont en mission de surveillance pour les douanes, la police. Ou l'été, quand ils déclenchent les pleins hauts pour les pâturages du Jura, comme ils sont tout proches de certains pâturages du Jura, ils peuvent venir s'alimenter ici. Voilà, ah, tout à fait. Étonnant. Parfait. Bah, merci parfait. Pour ces Service. Infos. Merci. Au revoir. Sergent-major, voici donc la tenue idéale du parfait soldat. Oui, exactement. Premier, on a les bottes de combat de Nantes. Après, ça, c'est ce qu'il me faut pour aller sur le terrain. Exactement, il vous faudra les bottes également. Le sac de combat, le sac F, pardon, pour transporter vos affaires, la gamelle et la gourde pour vous restaurer sur le terrain. Ok. Également, les gants de combat, le garrot en cas de blessure. Et le PPI en cas de blessure. Parfait. Le couteau suisse militaire. Avec ça, pour transporter tout votre matériel, le sac de combat. Ouais, que ça va, c'est pas trop lourd, enfin, il est vide. Le casque. Le casque, je peux déjà le mettre? Vous pouvez le mettre, si vous voulez. Ok, quoi d'autre? Les lunettes de protection, que ce soit pour le tir ou pour le soleil. La trousse pour effectuer le SP de vos chaussures. Le harnais, qui vous permettra, avec les différentes poches, transporter votre équipement sur vous. Si vous voulez. Tout ça, oula, moi ouais, je vais tout mettre là, tant qu'à faire. Hop, le harnais qui est à ma taille. Également à mettre après la combinaison tenue C, tenue de travail. Mm-hmm. Essentiel pour être sur le terrain. Vous avez également l'unité de tente au cas où vous devriez dormir dehors. Le gilet par éclat pour vous protéger. Et également avec ceci, la lampe de poche essentielle. Et pour terminer, vous avez votre arme personnelle pour être sur le terrain, le fusil ou le pistolet. Pour moi déjà. Je peux prendre une arme. Je vais déjà prendre la combi, je pense. Prenez que ce sera mieux. Ok, voilà, hop, équipement prêt. Là, c'est bon, je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et cette fois, on sera sur le terrain. On y va! Ah, colonel Reichen, je suis équipée. Parfait. Bonjour, pouvez-vous m'expliquer alors un petit peu la mission pour demain? Alors demain, vous allez voir ce que fait l'école d'artillerie 31 et ses 500 militaires et 40 militaires de carrière. On entraîne le système d'artillerie. Le système d'artillerie est composé de trois éléments principaux. C'est l'observation, les moyens de feu, ainsi que ce qui est la conduite et la direction et le commandement. Donc les moyens de feu permettent d'amener le feu, donc les obus, vers les buts, vers l'adversaire qui aurait été observé par nos moyens d'observation. Mais avant de passer là, vous allez voir une spécificité de l'artillerie qui est notre système météo qui permet de mesurer la température de l'air, le vent et la densité de l'air entre l'endroit d'où les obus partent et l'objectif.
Parfait. Et vous, vous venez avec nous sur le terrain? Alors, pour entraîner l'artillerie, il y a de toute façon les militaires de carrière qui permettent aux miliciens de remplir leur mission. J'en ai 40 et on se retrouvera le matin très tôt à la batterie Bravo. Alors, quand vous dites très tôt, ça me fait un peu peur. Moi, je pense que là, je vais aller plutôt me reposer. Je pense que c'est mieux, non? Je pense que c'est une excellente idée. Je pars!